Ok, c'est mesquin. Schizophrène. Il s'agit d'un frère, il s'agit d'un fils pire. Il s'agit d'une terre-mère qui l'a vu grandir. Il s'agit d'une histoire rare, peu répandue, d'un récit conté tard le soir que peu de gens ont entendu. En fait, depuis longtemps, depuis tout petit déjà quoi, il avait l'impression bizarre qu'un autre squattait son toit. Je ne sais pas la sensation que d'autres habitaient sa tête, que des voix, des songes le hantaient même en pleine fête. Des émois, quelques mensonges, des idées faussées par l'envie de manigance, de vengeance assoiffée. Arrête, c'est bon, c'est quoi sa personnalité? T'es bipolaire ou t'es en l'air? Franchement, c'est une pénalité. Arrête, c'est bon, c'est quoi ta personnalité? Tes raisonnements sont tout flous, tu quittes la réalité. Une levée d'inhibition dans une personnalité disloquée, dédoublée et due à l'hérédité. Il est seul, sans affect, il s'isole et personne n'accepte. C'est un duel dans sa tête, ça fait mal et ça l'infecte. Il est seul, se replie et ses accès de colère se multiplient à l'infini. Sans mort, sont unis. Pour moi c'est du grand génie, pour d'autres la schizophrénie. La suite nous dit que depuis tout petit, du bon chemin, il déroutait des conneries, des bêtises. C'est très très peu qu'ils en rataient. D'un côté, il y avait le kéké attiré par ce que le grand faisait, et de l'autre, le plus posé qui sur lui avait tout misé. Même passion, même goût, même ambition, même dégoût. Il paraît même, j'en suis pas sûr, qu'ils ont crêché dans les égouts. Ils avouèrent tous les deux qu'ils n'ont pas manqué de grand chose. Ouais, quand un voit la vie en noir, l'autre fait tout pour la peindre en rose. Il est dur comme fer, et en tout état de cause, que la réussite, même petite, avec une bonne bouteille s'arrose. Ce soir-là, manque de bol, les deux sortaient du casino armés comme de cow-boys, ils cramaient leur clope aux hippos. Certes, les poches de leur doudoune étaient pleines de babioles, mais ils avaient zappé le rico tombé pour une histoire de viol. Ouais, il est seul, sans affect, il s'isole et personne n'accepte. C'est un duel dans sa tête, ça fait mal et ça l'infecte. Il est seul, se replie et ses accès de colère se multiplient à l'infini. Sans mort, sont unis. Pour moi, c'est du grand génie, pour d'autres, la schizophrénie. Rico dos Santos, c'est comme ça qu'on l'appelait négro. Lui il avait tabassé et mis dans le coffre de leur wagon. Tout à coup entre leurs épaules fusa comme une fusée. Un fusil à canoncier venait de les paraphraser. C'était Rico, ce black italien, il avait détaché ses liens. Il revenait sûrement pour eux, pour le coup ce n'était pas malin. On pouvait dire tout ce qu'on voulait, mais c'était des mecs honnêtes. Ok, ils faisaient leur business, mais pas de crime ou de raquette. Alors comme là quand on les cherche, ben à un moment on les trouve. Il se peut qu'avec une mèche le corps tout en long il s'ouvre. Le frangin prit son engin et l'arma, la larme à l'œil. Il se mit en et s'élança sans munitions. Il n'avait qu'un deux coups et une lame pour la finition. Il pensa qu'il était perdu mais se rappela de sa mission. Dans un regain d'énergie, c'est un gros sursaut de folie. Il péta une petite roulade, c'est celle des films à la G.I. Il est seul, sans affect, il s'isole et personne n'accepte. C'est un duel dans sa tête, ça fait mal et ça l'infecte. Il est seul, se replie et ses accès de colère se multiplient à l'infini. Sans mort, sont unis. Pour moi c'est du grand génie, pour d'autres la schizophrénie.